Je vocalise, hein? Non, je vocalise. Ouais, je fais mes gammes. Quoi? Ouais, Battlefield, ouais. Ouais, je suis à la bourre. Ouais, bon, fais pas chier. Allez, pousse-toi. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? Bien ou bien? Allez, je vous fais pas attendre parce que vous avez une... Ah, il pleut dehors. Rentrez. Remember it. Ça vient du Game Engine. Donc c'est les images du jeu. Un peu futuriste quand même. C'est la map de BF4 avec le tunnel en dessous. C'est quoi ça, Battle Royale? Et c'est fini. Non, je vais... non, sérieusement. Ah non. C'est les mêmes maps qu'avant. Non, pas trop de... Non, non, non. Non. Oui. 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 Oh oui, les armes sont bien. Pas trop de trucs bleus. Ouais, c'est une AK. Ça ressemble à une AK. Pas trop de trucs bleus sur le casque. Y'a du sang. La musique, Inception. Espinoza, ok. Ok. Les explosions sont rouges. Pas trop bleu. HyperX, ok. Ok, c'est juste un s'allume, c'est bon, non. Yes! Fucking yes! 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 Ok, un quad, pas trop de quad. Ouais, un raptor, ok, ça passe, pas trop futuriste. Yes! Yes! Oui, ça oui! Ça c'est du Battlefield! Pas trop de bleu! Ok, c'est bon, c'est rouge! C'est bon, c'est bon! Un Apache! Nom de Dieu! Non, pas trop de... Non, pas de tonnerre, pas de MP. Non, pas de... Non, pas de Transformers. Oh, les tempêtes. Oh, nom de Dieu. Ouais, ouais, attends, on regardera après ça. Ouais, ouais, un tuk-tuk. Oui, un tuk-tuk. Oui. Oh.
coucou tactique. Un MP5. Attends, on va regarder les armes en fait. Ah, 64 Apache Longbow. Et l'annonce de la bêta. Faites les choses bien. Battlefield 2142, annonce de la bêta. What? Quoi? Non, quoi? Non. John Sassing. What? Non, quoi? Non. Je suis pas là le 13. C'est quand le 13? Non, what? Non, non. C'est quand? Oh non, my fucking god. I was the driver of the second vehicle. Non, ferme ta gueule. Ferme. On s'en fout de Call of Duty. On s'en fout de ce que t'as fait. On s'en fout. Oh putain, la vache. Oh, la grosse claque dans la gueule. Oh putain, ça c'est de la communication, bordel de merde. Oh là 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 là. OM fucking G. OM fucking G. Putain, la vache. Bon, les mêmes grenades que tout à l'heure, là. C'est bien détaillé, quand même. C'est quoi, ça? Un sabre laser. Non. Une flash? Non, une flash ne se mettrait jamais là. Une flash va toujours se mettre ici, en fait. Un bâton télescopique? Ça ressemble un peu à un bâton télescopique. À cet endroit-là, ce serait assez logique, en fait. Bon, son parachute, bien sûr. Un bâtonnet. Un marqueur laser. Ah, un désignateur laser. Ouais, à la code. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, la RPK, du coup, je pense. On est sur une RPK. Beaucoup de RPK, quand même. Hein. Je pense, hein. HK416, mais vous y connaissez rien. Non, mais il y a le chargeur courbé, le 0 HK416 là-dessus. Avec le petit kick, là, qui est bien, qui te permet vraiment de reconnaître... non, mais 0 HK416. Non. AK12, 100%? AK74, non. AK12 ou RPK? AN94? Ouais, bah, il le prendrait en prenant le... comme avant, du coup. Donc, comme dans BF. Donc ça, c'est pour nous montrer le fait qu'il y ait bien la même chose. Le retour sur les maps des trucs sur lesquels, tu peux influer, quoi. Genre, tu vas tirer dessus ou alors tu le pulls ou je sais pas, parce qu'on a vu un câble ou tu l'actives avec un endroit. Et du coup, ça change complètement l'ergonomie de la map, je pense. L'évolution, ouais. Ok, stop. Ah! Petite Vector! La petite Vector! Ok, ok, ok. Donc ça déjà c'est confirmé. Ça je sais pas ce que c'est. Pas le Comtac là, mais le... Ce truc là. C'est quoi? C'est un désignateur laser? C'est un truc qui te permet de... Vision nocturne? Bah non, vision nocturne du coup c'est devant tes yeux. Masque à gaz, lampe, pointeur, masque à gaz, caméra. Bah laser, ouais visiblement, mais pourquoi carré tu vois? Laser probablement. Une live cam? Ah. Ah. Imagine quand t'es dans ta squad, en bas à droite, tu vois comme il l'avait fait dans le jeu auquel on a joué il y a pas très longtemps là. Merde, on n'est pas resté dessus. Mais tu peux voir en bas à droite le gameplay des personnes dans ta squad. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En bas à droite, t'as le... Mais ouais, tellement. Tu vois ou pas? C'était déjà le cas dans BF4, ouais. Ouais, ouais. C'était déjà le cas dans BF4. Ah oui, c'est vrai, putain, la vache. La marque Contour fait ce genre de cam 6-4. Contour? Ok, d'accord. C'est vrai que ça ressemble à une live cam plutôt. C'est pour ça que quand on m'a dit laser ou autre, je pense pas. Ok, en tout cas, c'est sexy. Et pourquoi du coup une... C'est là qu'il y a une autre map dans l'espace. Ah non, fuck no. Je pense que c'est plus une interaction qui se passe à un moment. Et si tu restes à côté, bon bah tu crames ou un truc comme ça, vous pensez pas? C'est là qu'il y a une map sur la Lune. Lol. Non, mais tu peux pas monter dedans. Je pense que c'est juste une animation à un moment quand tu commences à tirer dedans ou je sais pas quoi. Tu commences à péter ce genre de truc là. Le truc se détache, ta machine part ou je sais pas quoi. T'sais. Tu tires dessus, elle s'égrave et ça change la map. Oh putain la vache. C'est peut-être un missile et peut-être pas une fusée habitée. Ah bah non, ça c'est... Je pense pas que ce soit un missile balistique, non. Non, ça ressemble quand même bien à une fusée quand même. Non, et puis après je sais pas, mais en règle générale... Je dis bien, en règle générale, la différence qu'il va y avoir... Déjà, il y en a une autre là. La différence qu'il va y avoir entre une fusée et un missile, c'est que les missiles balistiques, en règle générale, ils sont pas vraiment visibles de l'extérieur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En règle générale, c'est quand même souterrain. C'est pas un truc comme ça, quoi. Non, c'est une fusée. Elle est belle, là-bas, par contre. Donc ça, c'est KA-52. Bon, le petit Little Bird. Mais KA-52, c'est ça. Et il me semble...
Alors, la particularité de cet hélicoptère, c'est qu'il a un siège éjectable. Mais vous avez compris, si tu veux pas terminer en hachis parmentier, il faut qu'il y ait un truc qui se barre avant, quoi. En fait, il y a une éjection, normalement, du double rotor. Et derrière les deux pilotes qui sont côte à côte, je crois. Enfin, le pilote et le tireur sont côte à côte et pas l'un derrière l'autre. Après, je suis pas un expert, mais bon, voilà. Alors, tout le monde s'est mis d'accord sur celui-là ou quoi ? C'est quoi ? C'est FA-22 Raptor ? F-22 Raptor ? Ou pas ? Ou F-30 ? F-35 ? Né au programme édicté en 1996 pour une entrée en service en 2012, le F-35 reprend en les modérant les atouts du F-22. C'est bon, on était bon quand même. Ainsi, dans sa version de base, il est doté que d'un réacteur au lieu des deux. Ah, monoréacteur, ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Et son poids est allégé, tout en restant conséquent. 27 tonnes quand même. C'est pas grand-chose. Ok. What? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? What the fuck? What the fuck? UA. Et le trigger, la trigger discipline, elle est où là? Ok. C'est quoi? Franchement, le mec avant de partir, il les a polish les munes. Il a polish ses munes, sérieux. Ah, elles sont bien propres pour le trailer, dites donc. Hein? Oh, attends. Ah oui, c'est Espinosa, là. Il est mexicain, lui, du coup. Un drapeau mexicain, ça. Vélo électrique, on peut voir. les trois vendeurs de Décathlon du chat, dites-nous, parce que là je suis déconnecté, là. Le vélo électrique.